Nous avons juré de mener à bien cette mission. Tel un renouvellement de serment, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, réitère son engagement à conduire le navire Burkina à bon port, malgré les vagues et les soubresauts. Dans son registre propre à lui, le chef suprême des armées envoie un message des plus clairs aux comploteurs de tous ordres après 12 mois de gouvernance marqués par d'incessants appels à l'unité. Toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là, il n'y a pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Et la guerre n'est qu'à ses débuts, avec des opérations aéro-terrestres. En cause, le manque d'équipement militaire. Dans la réalité, notre pays est longtemps resté à un niveau inconcevable, voire inimaginable pour un État. Il n'y avait rien, les gens n'ont pas préparé la guerre. Maintenant que ça fait des années de guerre. La première des choses, c'était de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos soutes. Il n'y avait rien, on ne pouvait même pas trouver 200 Kalachnikov en réserve. Mieux, une réorganisation stratégique de l'armée est en cours avec la création de 6 groupements entièrement autonomes afin de garantir un meilleur maillage du territoire. Aujourd'hui, un groupement, pour faire ses opérations, n'a pas forcément besoin de venir à l'arrière pour demander quoi que ce soit. Ils peuvent déplacer certains détachements ou créer d'autres. C'est eux qui repositionnent pour savoir quel, en fonction des couloirs d'infiltration et tout, où est-ce qu'ils vont se positionner. 11 000 militaires au compte de l'armée de terre en un an. 3 000 gendarmes auxiliaires, 4 000 forestiers, les groupements d'unités mobiles d'intervention GUMI de la police nationale. La restructuration de nos forces de défense et de sécurité est en marche. Et ceux qui prêtent au président une volonté de dissoudre la gendarmerie nationale ont désormais leur réponse. Qu'est-ce que la gendarmerie a fait de mal? S'il y a des individus à la gendarmerie qui font du mal au peuple, ils vont répondre. Pour l'instant, c'est quelques individus à l'intérieur de la gendarmerie qui sont manipulés. Vous savez, les gens sont très intelligents dans le mauvais sens. Voilà, c'est des fuites en avant. Ils s'imaginent ce qu'on va faire si jamais. Le retour à l'ordre constitutionnel normal s'est également invité à cet entretien. Le président de la transition s'est voulu clair. Élection, oui, mais fini les compromissions et autres exclusions. Chaque Burkinabé doit pouvoir participer au choix de son président. D'ailleurs, le capitaine Ibrahim Traoré dénonce l'attitude paradoxale de certains partenaires sur le sujet. Vous, vous dites qu'il faut qu'on fasse vite pour faire les élections. Et c'est vous encore qui bloquez nos équipements, vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagadougou, à Bobo et quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. Le chef de l'État annonce également une modification partielle de la loi fondamentale du Burkina Faso. Il s'agit d'adapter les règles de conduite de la marche de notre nation à nos valeurs socioculturelles. Parce que cette constitution, c'est uniquement l'avis d'une poignée de personnes éclairées. Mais la masse populaire, là, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc nous souhaitons, par exemple, faire des ouvertures. Par cette sortie médiatique, le capitaine Ibrahim Traoré se félicite de la collaboration entre population et FDS dans la reconquête du territoire. Au sujet du soutien au Niger en cas d'agression, il s'agit d'une question de survie pour le Burkina Faso et partant pour la sous-région, insiste le chef de l'État. Pour protéger la population. Vous venez plutôt de suivre l'intervention du président sur la sûreté, la sécurité de l'État, les élections et la constitution sur un reportage de Jérôme Tendano.